puisque j'ai pas, je ne connais pas l'arabe, c'est une fausse excuse. Ce n'est pas une excuse. Dis, tu n'as pas compris c'est quoi le Coran. Dis, tu n'es pas conscient de l'importance du Coran. Dis que tu es fainéant, tu es paresseux. Dis qu'il te manque de volonté. Sinon, si tu veux apprendre le Coran, Allah, il a rendu le Coran facile. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa laqad yassarna al-Qur'an al-dhikr fa hal min mudakkir » Certes, nous avons rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il ceux qui se rappellent? Y a-t-il ceux qui se rappellent? Donc, on peut apprendre le Coran. En Afrique, il y a beaucoup de jeunes gens qui ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas dire un mot. Tu lui dis comment tu t'appelles en arabe, ils ne peuvent pas te répondre. Mais ils connaissent le Coran par cœur. En Asie, dans le pays de l'ex-URSS, Ouzbékistan, Tadjikistan, dans ces pays-là, il y a des millions de gens, ils ne connaissaient rien en arabe, ils apprennent le Coran. Donc, le devoir du musulman, chacun, on doit apprendre un minimum de Coran. Regardez la prière. Comment tu vas prier si tu ne connais pas le Coran? Et moi, ce qui me désole, en France ici, des fois, je vois des frères ou des sœurs, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ils pratiquent, et il a pris, quand il est rentré dans l'islam, il a pris la Fatiha, quelques sourates en phonétique. 5 ans après, il ne lit qu'en phonétique. Mais subhanallah, tu dis à telle personne, tu passes ton temps à faire quoi? Tu ne penses pas que demain tu vas comparaître devant Dieu, que Allah il va te demander les comptes de ton temps? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas me dire, je n'ai pas le temps. Tu as le temps de regarder des matchs à la télé? Tu as le temps de regarder des films à la télé? Tu as le temps de sortir dehors, d'aller faire n'importe quoi? Tu dis, je n'ai pas le temps d'apprendre le Coran? Qu'est-ce que tu as? 5 ans, 10 ans, il pratique l'islam et il ne sait pas lire, il apprend en phonétique. Alors aujourd'hui, en France, dans toutes les mosquées, il y a des cours d'arabe pour les enfants, pour adultes. Il y a des gens qui sont disponibles. Même s'il n'y a pas un cours mis en place, il y a des gens qui savent lire, qui sont prêts à t'apprendre. Tu viens de me dire, je ne sais pas lire. Donc, notre premier devoir, c'est d'apprendre le Coran. Et c'est un devoir de chacun d'entre nous. Chacun, selon ses capacités, selon ses moyens. Certes, ce n'est pas chaque musulman qui arriverait à apprendre le Coran tout entier par cœur. Mais chaque musulman arrivera à apprendre un minimum des versets. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, le cœur qui est vide du Coran, c'est comme une maison honteuse, c'est comme une ruine. On doit apprendre le Coran. Comme étant donné le Coran est le guide, si, imaginez une personne qui achète un appareil. Il y a la notice. La notice, il ne sait pas comprendre. Il ne comprend pas. La langue dans laquelle la notice est écrite, il ne comprend pas. Ça va lui servir à quoi? Rien. Puisqu'il ne pourra pas le mettre en pratique s'il ne comprend pas. Donc, après avoir appris le Coran, nous avons l'obligation, le devoir de chercher à comprendre le Coran. On doit apprendre. On doit chercher à comprendre. Aujourd'hui, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la chose nous a été rendue facile. Il y a une trentaine d'années, c'était difficile de trouver une traduction de Coran français. Aujourd'hui, la traduction de Coran français, dans n'importe quelle langue, on les trouve partout. C'est accessible. Donc, au moins, si j'ai appris quelques sourates, les sourates que j'ai appris, quelques passages que j'ai appris, au moins que j'essaie de comprendre le sens global. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce Coran pour qu'on le comprenne, pour qu'on le mette en pratique. Pour qu'on comprenne, pour qu'on le mette en pratique. Donc, on doit apprendre le Coran, on doit chercher à comprendre pour le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous disent, nous apprenons, lorsque nous apprenions le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne dépassons pas 10 versets. Nous apprenons 10 versets par 10. Nous apprenons, nous les comprenions et nous les mettons en pratique. Donc ainsi les compagnons, ils mettaient en pratique le Coran. Ils apprenaient, ils comprenaient et ils le mettaient en pratique. Donc, c'est ça notre devoir, on doit chercher à apprendre le Coran et le comprendre et ensuite le transmettre. Le transmettre.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, le prophète lui dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc, on doit apprendre le Coran et on doit essayer de le comprendre, le mettre en pratique et enseigner. Sinon, si on ne fait pas ça, on fera partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se plaindre les jours de jugement dernier devant Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, wa qala ar-rasul ya rab inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Il dit, le messager dira, c'est le juge du jugement dernier, le messager dira, Seigneur, mon peuple, ils ont fait de ce Coran quelque chose de délaissé. Mon peuple, ils ont fait de ce Coran quelque chose de délaissé. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont délaissé le Coran ou bien tu fais partie de ceux qui portent le Coran dans leur cœur? Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, man lam yaqra al-Qur'an faqad hajara. Celui qui ne lit pas le Coran, il a délaissé le Coran. Wa man qara al-Qur'an wa lam yafhamhu faqad hajara. Et celui qui lit le Coran, qui ne cherche pas à le comprendre, il a délaissé. Wa man qara al-Qur'an wa fahimahu wa lam ya'mal bihi faqad hajara. Et celui qui lit le Coran et qui le comprend, qui ne le met pas en pratique, il a délaissé. Et celui qui lit le Coran, qui le comprend, qui le met en pratique, qui ne le tenance même pas, il a délaissé en quelque sorte. Donc, il ne faut pas que nous soyons des gens de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se plaindre devant Dieu. Il dit, ils ont délaissé ce Coran. Non, quand je vous dis, chacun, en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités, on doit chercher à lire et comprendre. Et appliquer et transmettre. Et lorsque on est ainsi. Donc, le mérite et la récompense est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, man qara harfan min kitabillah, man qara harfan min kitabillah, falahu bihi hasana, wal hasanatu bi ashr amthaliha. ولا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit une lettre du livre de Dieu, celui qui lit une lettre du livre de Dieu, il aura une hasana, une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. Quand vous lisez une lettre du Coran, vous avez dit hasanat. Il dit, je ne dirai pas que ألف لا ميم est une lettre. Mais Alif, c'est une lettre. Lam est une lettre. Et Mim est une lettre. C'est-à-dire, quand tu dis Alif, Lam, Mim, tu as combien de hasanat? Tu as 30 hasanat. Quand tu dis Bismi, Bismi, tu as 30 hasanat. Bismillahi, tu as 60 hasanat. Subhanallah. Mais aujourd'hui, vous dites aux gens, tu sors, tu vas au supermarché, ou je ne sais pas, tu vas dans tel endroit, et chaque pas que tu vas faire, tu vas gagner des, je sais pas, des euros. Les gens vont s'entretuer pour aller dans cet endroit. Ils vont s'entretuer. Alors, subhanallah, encore, le livre d'Allah, c'est encore beaucoup plus facile. Les euros que tu vas gagner, tu vas rentrer, ça va rentrer avec toi dans ta tombe. Ça va te servir quelque chose après ta mort? Non. Et le Coran, ça te sert dans ce monde et ça te sert après ta mort. Donc, nous devrons apprendre le Coran et nous devrons l'enseigner. Donc, nous devrons suivre aussi le message du Coran. Donc, je terminerai par ces propos d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وقال سهل بن عبد الله علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب سنته وعلامة حب سنته الحب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة
بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا أن لا يدخل منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. عبد الله بن مسعود يقول que aucun d'entre vous ne demande qui que ce soit à son, au sujet de sa propre personne autre que le Coran. C'est-à-dire, vous voulez vous interroger, est-ce que je suis un croyant sincère? Est-ce que j'aime Allah? Est-ce que je suis aimé d'Allah? Il dit non, ne cherche pas à interroger qui que ce soit. Il dit, interroge le Coran. Interroge le Coran. Il dit, si tu fais partie de ceux qui aiment le Coran, certes tu aimes Allah et son messager. Si tu aimes le Coran, tu aimes Allah et son messager. Et Sahel bin Abdullah, il dit, le signe de l'amour d'Allah, les signes de l'amour d'Allah et l'amour du Coran. Et les signes de l'amour du Coran et l'amour de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les signes de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour de sa sunnah, sa tradition. Et les signes de l'amour de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour de l'au-delà. Et les signes de l'amour de l'au-delà, c'est le fait d'avoir l'aversion pour ce bas monde. Et les signes d'avoir l'aversion pour ce bas monde, le fait de n'avoir en gardé que l'approvisionnement qui nous permet d'atteindre l'au-delà. Donc chacun d'entre nous, on a s'interrogé, puisque mes frères, il faut savoir que chacun d'entre nous, on se nourrit au minimum 3 fois par jour, matin, midi et soir. On nourrit son corps. Donc, si on nourrit son corps, on doit nourrir son âme. Normalement, on doit avoir un repas quotidien du Coran. Chaque musulman doit avoir un repas quotidien du Coran. Pour qu'on puisse être, on peut trouver cet équilibre qui nous procure le bonheur, le bien-être. Car la source de notre vie spirituelle, la source de la vie de notre cœur, c'est le Coran. Et je terminerai par ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit ainsi nous t'avons révélé un esprit de notre commandement. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le Coran Ruh, ça veut dire l'esprit, l'âme qui nous fait vivre. Ainsi nous t'avons révélé un esprit de notre commandement. Ma kunta tadri mal kitab, tu ne savais pas ce qu'est le livre, wala l'iman, ni la foi. Walakin ja'alnahu nura, mais nous l'avons fait une lumière. C'est-à-dire nous avons fait ce Coran une lumière. Nahdi bihi man nasha' min ibadina, par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, certes tu guides vers un chemin droit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui vivent avec ce Coran, et ceux qui suivent la lumière du Coran, et ceux qui sont guidés par le Coran, et ceux qui seront accompagnés par le Coran dans leur temps. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.